Et salut tout le monde les amis, c'est Pierre Gamer, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de SAO Last Recollection, nouvelle vidéo. Avant toute chose, n'hésitez pas les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, à mettre un petit like, ça ferait super plaisir. Et à venir sur Twitch et TikTok, voilà, n'hésitez pas à follow, ça ferait aussi grave plaisir. Bref, nous sommes partis aujourd'hui les gars, nouvelle story, on va faire Sinon et Kirito. Voilà, pourquoi pas, petite story de Sinon, on va voir ce que ça vaut, elle me tente un peu. Sans plus attendre, c'est parti. Quête d'épisode. Alors, let's go. Voyons voir quelle dinguerie on va avoir. Ça, c'est un long soupir. Qu'est-ce qui t'arrive sinon? Kirito? Non, rien. Je suis là pour t'écouter si tu as besoin de parler. Ouais, vas-y, hésite pas, confesse-toi, allons. Sinon, vas-y. On est là. On est en équipe. Bon, d'accord, c'est cet avatar. Tu as un problème avec ton compte suprême? Oui, ce compte suprême. Pour être honnête, je ne suis pas sûr qu'il soit utile. Sa puissance d'annihilation est incroyable, mais le vol infini n'est pas folichon. Ah bon? Pouvoir voler dans les airs, je trouve ça génial pourtant. Oui, mais je ne peux porter qu'une seule personne et j'arrive plus à tenir mon arc. Ah. Est-ce que je serais utile au Dark Territory en tant que Death du Soleil Solus? Tu as Vegitro, tu as déjà été très utile, crois-moi. Oui, j'avoue, tu as Vegitro aussi. Donc. Et puis les gens voient plus que les pouvoirs de Death en toi. J'espère que tu as raison. Alors, la prochaine fois que j'ai besoin d'aide, je compte sur toi, oh, Grande Solus. Ah, lol. D'accord, compte sur moi. Ah, quel blagueur, Kirito, allons. Quel blagueur. Alors, tac, on va se re-téléporter et on va voir du coup la deuxième partie. Parce que c'est en deux parties, les gars. Eh oui. En deux parties, tu vois, mais je maintiens le fait que, que les dialogues sont quand même vachement courts. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je les trouve vachement courts. Alors, Sinon et Kirito 2, let's go. Ah, deuxième, let's go, c'est l'inverse. Qu'est-ce qui ne va pas, Kirito? Tiens, Sinon, non, rien. Je réfléchissais, c'est tout. Les deux qui sortent un non, rien. En même temps, on le sort tous, hein. Ah, vraiment? Viens avec moi un instant. Quoi? Au beau milieu de la nuit? On va où? Ah non, Sinon va le porter. Dans un endroit sympa. Quoi? Quoi? Contente-toi de me suivre, dépêche-toi. Mais qu'est-ce que... Tu fais quoi, là? Pose pas tant de questions. Il va voler. Aïe, 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 let's go. Waouh, on est... Alors, attends, comment on fait... Putain, j'ai raté les dialogues, c'est pas grave, je me suis encore trompé. Voilà, du coup, la CG, magnifique. Non, franchement, il est magnifique, avec le ciel. Non, franchement, j'aime bien. J'aime beaucoup. C'est pas mal. C'est tout, pas mal. Ok, je mets le pied au plancher, accroche-toi. Non, toi, accroche-toi. Me lâche pas, pitié. C'est parti. Ah. Aïe, aïe, aïe. Alors, le Dark Territory paraît bien différent vu d'en haut. Sinon, raison, c'est vrai. C'est vrai. Oui, c'est vrai. On voit les choses dans notre œil quand on prend de la hauteur. Quand on change ton point de vue sur les choses, on peut trouver de nouvelles idées. Oui, je crois que tu as parfaitement raison. Mais dis-moi, tu as remarqué que quelque chose m'embêtait? Oh, Kirito. Pas nous, Kirito. On l'a tous remarqué, arrête. Bien sûr, je l'ai senti tout de suite. Et la puissante Solus avait promis de t'aider quand tu en aurais besoin, mortel. D'accord. Mais oui, j'arrive pas à croire que j'ai oublié ça. Merci de t'en être souvenu. Pas de problème. Alors, qu'est-ce qui t'arrive?
Quand tu regardes ces villes du Dark Territory, comment tu les trouves? Un peu triste, comparé à Tokyo, j'entends. Voilà, elles sont sombres et tristes. Ah ouais, c'est sûr que Dark Territory, il va pas avoir des grands buildings, des magnifiques panneaux, animés, ou le fameux, vous savez, dans une, je sais pas si vous l'avez déjà vu, un centre commercial où tu as le toit, ou carrément un étage, où c'est le plus souvent un personnage qui bouge en fait. Je sais pas si vous avez déjà vu, genre c'est assez impressionnant. Ouais, c'est sûr qu'on est loin dans le Dark Souls d'avoir ça. Hein. Ils n'ont pas d'électricité et ces élèves marquent toute leur vie. Ah, c'est vrai qu'ils n'ont pas d'électricité, j'avoue, comment ils font quoi. Les terres sont stériles, ils doivent piller pour survivre s'ils restent ici. Ouais. Kirito. Ce monde est comme un terrarium. Il doit y avoir quelque chose au-delà du mur de fin. Hé, hey, Kirito. Oui. J'ai déjà essayé de le franchir. Ah bon? Ouais, c'est vrai. Hé, attention, ne gigote pas comme ça. Il va se casser la gueule. Pardon, tu m'as surpris. Eh bien, calme-toi, au final, je n'ai pas pu passer. J'ai cru qu'un compte suprême suffirait, je suis monté autant que possible, mais... Ça n'a pas marché? Non, j'ai pas pu monter assez haut, comme si mon pouvoir se dissipait. Oh bah, c'est juste la map qui est pas finie, logique. Même avec vol infini, ça n'a pas marché, une force invisible m'a hanté. Ouais bah voilà, c'est le fameux quatrième mur, on connaît. Attends, tu as pas de quoi faire à nous. Alors même toi, un compte suprême n'a pas pu passer. C'est sans doute une limite système, bah voilà, est-ce qu'il y a un monde? Bah non, du coup non. Hey Kirito, ça va? Oui, je réfléchissais à ce que tu disais, merci pour les infos sinon. Ah, eh ben j'imagine que je n'ai pas volé tout ce temps pour rien. Loin de là, c'est peut-être même ce qui sauvera ce monde. Là, je crois que tu en fais un peu trop. Non, je t'assure. Ah, achou. Oups, on a peut-être volé un peu trop longtemps. On rentre? Oui, bonne idée. Merci de m'avoir... Ah! Ne me lâche pas maintenant. Alors, c'était comment? Ça t'a remis les idées en place? Ça oui, merci beaucoup. Il va falloir que je me réhabitue à marcher. LOL. Je suis sincère, sinon, merci. Pas de problème. Si jamais tu as besoin du vol infini, n'hésite pas. C'est noté, mais fais bien attention à toi quand tu voles, d'accord? J'essaierai d'être prudente, mais je ne peux rien te promettre. Oh no. Sinon, Waifux ne peut rien nous promettre. Ok, nouvelle tenue disponible pour Shidon. Yay. Ok, alors, à quoi ressemble la tenue? Maintenant, il est temps de voir. Ah putain, faut que je la mette dans mon groupe. Faut que je mette Sinon dans mon groupe. Alors. Nos objets ont visualisé la tenue pour Kirito. D'accord. Ok, il y a dû avoir une image. Alors, l'arc, armure. Alors, tenue de chasse de Sidon. Donc ça, je crois que c'était au début. Armure de Solus. Bon, ça, c'est la fin. Tenue spéciale, voilà. Ça va être celle-là. Ok. Donc, voilà la tenue de Sidon. Ok. Bah, elle est pas si forte de la première, non? Ouais, c'est ça. Ouais, elle est pas trop différente. À part qu'il y a une demi-cape à droite. Ouais, bah du coup, en vrai, dites-moi ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous en pensez de cette tenue? En vrai, ouais, je suis pas ultra fan. Mais si je devrais les classer, bah forcément Solus serait première, logique. Solus première, après, entre les deux... Entre les deux, ouais, je choisirais peut-être la première en vrai. Non, la tenue spéciale, j'aime le moins, ouais. Ouais. Non, ouais, c'est vrai. Et d'ailleurs, j'ai un doute, mais on avait vu la tenue d'Azuna. Parce qu'on en a eu une, non?
C'est bizarre, je me rappelle pas. Je me rappelle pas qu'on ait eu une tenue pour Asuna. Ah non, on l'a pas eu. Ah non. Ah non, absolument pas, on l'a pas eu. Ah, on l'a pas eu. Ok, bon. Eh ben écoutez les gars, on va s'arrêter là. J'espère que ça vous aura plu, cette petite histoire de Cyrn, bien sûr. Ah tiens, tant qu'à faire. Ah, d'ailleurs, il y a une quête qui s'est dévoilée, non ? Je suis avec toi, elle n'existait pas celle-là, je crois. Ah ouais. Ah sinon, on a carrément une double quête... Ah non, ouais, l'IFAV, elle est la même. Donc, ouais, non, ça m'étonne pas. Non, non, ça va. Ça va. Sinon, elle a une deuxième... ouais, elle a une deuxième quête où ça parle. Logique. Non, logique, l'IFAV l'a bien eu, donc je trouve ça logique que sinon on ait une. Mais je crois que celle-là, du coup, elle s'est activée parce que je pense pas qu'elle y était avant que je fasse la quête de Sinon. Donc c'est bien, tant mieux. Tant mieux parce que ça veut dire du coup deuxième CG de Sinon. Logique. Mais voilà, toujours bon de le rappeler. Et du coup, ça se dévoile au fur et à mesure qu'il y a encore des quêtes à avoir. Donc c'est bien, c'est bien, c'est bien. Voilà. Bon bah écoutez les gars, merci à regarder, j'espère que vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à mettre le petit j'aime, le petit abonnement sur YouTube, le petit commentaire, ça ferait super plaisir. Et voilà, n'hésitez pas aussi à venir sur Twitch et TikTok, hein, ça ferait grave plaisir. Allez, ciao ciao les gars, bye tout le monde, ciao ciao.